Bonjour Albin. Et bonjour. Ça va ? Ça va, très bien. Bon, alors, on attaque par où ? Parce que moi, j'ai commencé, hein, j'ai commencé la récolte. Ah, ok, en effet. Alors ? Mais on a déjà commencé, mais bon, on est équipé avec une machine, donc... Ah bon ? Désolé. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, dans ce cas-là, vous allez tout me dire sur la noix du Périgord et votre exploitation. Mais nous, voilà, donc la noix aérée, la noix, on a commencé il y a 3 générations maintenant. Donc mes grands-parents, mon père qui a planté pas mal dans les années 85-90, pour aujourd'hui qu'on ait une surface de 10 hectares de noyers. Belle exploitation alors. Ça commence à être intéressant. Avec des noyers qui ont 25 ans à peu près. Voilà, 25-30 ans à peu près. Et donc en variété, on reste fidèle donc à l'AOP noix du Périgord avec essentiellement de la franquette. Après quelques cornes, et donc il y a 2 autres variétés qu'on ne possède pas mais qui font partie de l'AOP, qui sont la Grand Jean et la Marbeau. D'accord. Et alors elles se récoltent en ce moment ? Voilà, donc, en ce moment ? Non, pas uniquement en ce moment. Il y a un an, certains qui ont commencé avec de la noix fraîche vers la mi-septembre, vers le 10 septembre. Et après, nous là, on est parti pour la noix sèche, donc ça va faire maintenant 1 semaine, donc début octobre. Donc la récolte va se faire quasiment sur tout le mois d'octobre, où là, on va ramasser la noix pour la faire sécher. Et elle sera vendue soit en coque ou plus tard, elle sera cassée pour faire du cerneau. Alors on récapitule. Donc l'AOP comprend les noix fraîches, voilà. Les noix sèches et le cerneau. Et le cerneau. Exactement. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'elle garantit cette AOP ? Et ça nous garantit déjà, c'est sur une zone de production, donc c'est l'AOP noix du Périgord. Mmh. Donc ça prend tout un bassin de production. Donc là, on a un cahier des charges à respecter pour avoir une noix de qualité. Donc ça va comprendre sur la mise en culture des arbres, mais aussi sur le séchage, avec un taux donc, d'humidité à respecter sur la noix sèche, de manière à assurer la meilleure qualité de la noix possible. Alors, meilleure qualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un goût particulier ? Mais voilà, un goût typique donc, qui a été reconnu donc, et validé par ce cahier des charges, et qui va donc une noix de qualité avec un cerneau de couleur blanche, plein de qualités qui vont faire cette spécificité de la noix. Et alors, mon petit doigt m'a dit qu'on faisait également une très bonne huile avec ces noix. Exactement. Vous êtes bien renseigné. Oh ben, je me documente, Albin, je me documente. Et alors, elle fait partie de cette AOP ? Voilà, pas encore, c'est en cours. Donc il y a du travail de fait de ce côté-là, donc ce qui est bien pour, pareil, valoriser notre savoir-faire. Quoi. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Alors, de l'huile, du cerneau, noix fraîche, noix sèche, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Alors après, une fois qu'on a commencé à casser la noix, ce qui est intéressant, c'est tout le travail qui est autour du cerneau. Donc avec, on va pouvoir faire plein de friandises, c'est-à-dire des noix au chocolat, au sucre, plein de bonnes choses. Après, on va faire aussi... avec la noix verte, mais ça c'est beaucoup plus tôt dans la saison, c'est fin juin, début juillet, pour faire le vin de noix. Voilà, donc des alcools, des apéritifs à base de noix, et donc plein de produits autour de la noix comme ça. C'est le bonheur d'avoir cette noyerée comme ça. C'est le bonheur, ouais. Exactement. Et alors ça s'accommode avec plein de choses les noix. Je peux en prendre avec tout. Avec le fromage. Avec le fromage, dans une salade périgourdine par exemple. Ça voilà, il y a un plein. Petit croquant, des petits arômes supplémentaires. Voilà, c'est le petit plus qui fait le. Et l'huile alors ? Vous l'aimez vous l'huile de noix ? Ah ouais, l'huile mais sur des haricots blancs ou. Dans une petite soupe, des choses comme ça, c'est toujours excellent. En vinaigrette aussi ? Vinaigrette, bien sûr. Ça apporte un petit fumet supplémentaire. Ça n'a rien à voir, c'est bien mieux. Bon, Albin, vous voulez bien accepter mon humble récolte, tout de même ? Ah oui, avec parce plaisir. Que j'ai mis du cœur. Hein. Je vois ça. Je suis sûr que ça peut contribuer à la réussite de l'exploitation. Exactement. Mais sinon, vous avez une machine ? Donc voilà, donc actuellement, on ramasse avec une machine. Donc si vous allez voir, c'est une machine à huile. Un peu bizarre. Voilà. Elle ressemble à un gros insecte. Un gros insecte, exactement. Mm-hmm. Et en fait, le principe est simple, on a des doigts en caoutchouc qui vont venir frotter le sol et ramasser les noix. D'accord, voilà. Tout simplement. Tout simplement. On peut en faire un petit tour. Faire un petit tour. Oh, c'est gentil, Albin. Allez, on y va.